Série de vidéos pour apprendre à résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Il s'agit de la troisième vidéo de la série où nous allons aborder les notions d'égalité et d'opération. La première notion que nous allons voir dans cette vidéo est relative à l'addition et à la soustraction. Nous allons commencer par une propriété qui nous dit qu'à partir d'une égalité, on obtient une égalité équivalente si on ajoute ou si on retranche un même nombre à chaque nombre. Alors, il est classique de représenter les équations comme des balances. Vous avez sans doute déjà vu les vieilles balances qu'il y avait sur les marchés avec des plateaux. Imaginons une balance équilibrée où il y a deux carrés à gauche, un rectangle, et à droite, un triangle, un rond et un carré. Ce qui paraît évident, c'est que si j'ajoute une masse sur le plateau de gauche et que j'ajoute la même masse sur le plateau de droite, la balance reste équilibrée. Évidemment, si j'ajoute une masse à gauche et je n'ajoute rien à droite, la balance va basculer du côté le plus lourd. Mais en ajoutant la même chose de l'autre côté, la balance reste équilibrée. C'est ce que me dit cette propriété, c'est qu'on peut ajouter de chaque côté d'une égalité le même nombre, l'égalité reste vraie. Si j'ai 2 qui est égal à 1 plus 1, eh bien je peux de chaque côté ajouter 3. Par exemple, et donc 2 plus 3 est effectivement égal à 1 plus 1 plus 3. Cela fait 5 de chaque côté. Mais ce que me dit l'égalité, c'est que je peux retrancher de chaque côté d'une égalité le même nombre, cela ne change rien. Je reprends mon exemple avec mon plateau. Imaginons sur ce plateau que j'enlève la masse d'un carré et la masse du même carré ici, à gauche et à droite, les deux plateaux reste exactement équilibré. J'ai enlevé la même masse à gauche et la même masse à droite. Si j'enlève maintenant le triangle à gauche et le triangle à droite, la masse de chaque côté reste la même, la balance reste équilibrée. Et à partir d'une égalité comme 7 est égal à 4 plus 3, on pourrait par exemple soustraire 2 de chaque côté. L'égalité va rester vraie. 7 moins 2 est égal à 4 plus 3 moins 2, on obtient bien 5 de chaque côté. On peut soustraire ou ajouter le même nombre de chaque côté d'une égalité. Cela ne change pas l'égalité. L'égalité reste équivalente. Cette notion paraît peut-être évidente, mais elle va être fondamentale pour résoudre des équations. Essayons d'utiliser cette stratégie à partir de l'équation qui nous est proposée, x plus 8 est égal à 3. Notre objectif est de trouver la valeur de x qui pourrait rendre cette égalité vraie, et la stratégie va consister à enlever le plus 8 qui est là, et donc à faire de chaque côté moins 8. Si j'enlève 8 à gauche, j'enlève 8 à droite pour que l'égalité reste vraie. À gauche, on aura x plus 8, qui était mon nombre de départ, auquel j'ai enlevé 8. À droite, j'avais 3, et je lui enlève 8. Comprenez bien qu'on a de chaque côté fait la même opération, à savoir moins 8. Quel est l'intérêt d'avoir fait cette même opération à gauche et à droite? C'est que sur le membre de gauche, x plus 8 moins 8, 8 moins 8, ils vont s'annuler. Il ne me reste plus que x à gauche. À droite, je peux calculer 3 moins 8 est égal à moins 5. J'ai trouvé la valeur moins 5 qui vérifie cette équation-là. Le nombre moins 5 est donc solution de mon équation, puisque cette égalité-là est équivalente à celle dont je suis parti. Considérons maintenant un deuxième exemple, y moins 6 est égal à 9. À la variable y, on lui soustrait 6, et donc l'idée va consister à lui faire l'opération contraire. On va ajouter 6 à gauche, et donc ajouter 6 à droite, j'ajoute le même nombre à gauche et à droite de mon égalité. L'égalité obtenue est donc équivalente en vertu de la propriété précédente, et donc nous avions y moins 6, je lui ajoute 6, et cela est égal à 9 plus 6. Dans le membre de gauche, moins 6 plus 6, cela va s'annuler, il reste 0, c'est-à-dire simplement y qui est égal à 15. On a donc trouvé que cette égalité-là est équivalente à celle de départ, et cette dernière égalité nous donne la solution de l'équation. La solution est 15. On dit qu'on a résolu
l'équation. Cette vidéo est terminée. Un like, n'hésitez pas à vous abonner. La prochaine vidéo traite la même propriété avec la multiplication et la division. Rappelez-vous, ce cours est exactement celui que vous retrouvez sur matguyon.fr avec des exercices pour vous entraîner si besoin. Bon courage !